Bonsoir à tous. Donc, je suis Christine Guiton, donc de l'Espace Mendès France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Dupuis, professeure en écologie aquatique à l'Université de La Rochelle, au laboratoire LIENS, Littoral, Environnement et Société. Aujourd'hui, donc, elle va nous parler du littoral et des marées et pourquoi donc, ces écosystèmes sont importants pour le carbone. Cette conférence avait été programmée dans le cadre d'une exposition qui est actuellement présentée à l'Espace Mendès France et que vous pourrez découvrir dès que notre centre sera réouvert au public. C'est une exposition sur le carbone bleu quand le littoral et les marées s'en mêlent et donc qui a été aussi faite par le LIENS, le laboratoire donc de littoral, environnement et société. Donc cette conférence est transmise sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions par le chat. Mon collègue Julien à la technique reprendra vos questions et les donnera donc à Christine Dupuis à la fin de son exposé. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc là, je vais du coup partager mon écran. Je vais commencer. Est-ce que vous le voyez? C'est bon, très bien, merci. Eh bien, merci à tous de participer à cette conférence. Donc je vais vous parler du littoral et des marais, des écosystèmes clés dans le carbone bleu. Et donc, en fait, cette conférence s'adosse effectivement à l'exposition Carbone Bleu, qui est à l'espace Mendès France. Alors aujourd'hui, en fait, la Terre subit de nombreux changements, comme vous le savez. Les membres du groupe intergouvernemental, d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat, ce qu'on appelle le GIEC ou l'IPCC, en anglais, ils prédisent en fait des événements qui sont importants de changement de notre planète, à savoir un changement de température qui va vers l'augmentation, avec, comme vous pouvez le voir ici, à la fois en fait le scénario le plus vertueux avec une élévation de 2 degrés 6 de température en 2100, ou un scénario le plus pessimiste, 8 degrés 5, ici en 2100. Ils aussi prédisent en fait une élévation du niveau de la mer. On le voit depuis 1994 sur ce schéma jusqu'en 2014. On a une élévation du niveau de la mer qui est de 3,27 mm par an en moyenne, hein, donc c'est très variable en fonction des régions. Et ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est les teneurs en azote carbone. En dioxyde de carbone, pardon, donc le CO2, je vais toujours l'appeler CO2 dans ma présentation, et donc cette teneur en CO2 dans l'atmosphère, vous voyez ici qu'il y a une très forte accélération depuis l'industrialisation à maintenant, et donc on a quasiment doublé ces teneurs en CO2 dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce que ça génère en fait ce CO2 dans l'atmosphère? Eh bien c'est originaire de 50% de l'effet de serre. C'est ça le problème en fait que l'on a, c'est que ce CO2, donc le dioxyde de carbone que vous avez en fait représenté aussi par ces petits bonhommes là-haut, c'est une molécule de carbone en bleu et deux molécules d'oxygène. Et en fait, ce dioxyde de carbone est origine, donc l'origine en fait, c'est la combustion des hydrocarbures fossiles, le processus de minéralisation. Alors c'est un peu complexe, mais c'est le passage du carbone organique en carbone minéral. Donc on transforme le sucre, par exemple, en un carbone qui est minéral. Et donc ça se passe dans les sols. La décomposition de la matière végétale morte suite à la déforestation, en fait, va augmenter le CO2 dans l'atmosphère et va être à l'origine de 50% donc de l'effet de serre. Alors un autre gaz est aussi présent, un autre gaz à effet de serre qui est important, c'est le méthane. Et le méthane, l'origine, c'est la combustion incomplète du bois, la digestion de matière végétale par les ruminants, la dégradation dite anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, de la matière organique, donc matière organique, exemple le sucre au niveau des molécules carbonées. Et ça se passe aussi dans les sols et dans les sédiments. Donc du coup, en fait, il est nécessaire actuellement, le constat, c'est de réduire nos émissions. Je pense que vous avez plutôt
souvent entendu parler de ça, qu'il fallait réduire nos émissions de CO2. Et ceci, en fait, c'est possible. C'est possible de réduire, mais ça paraît impossible de les supprimer du fait, en fait, de l'activité anthropique, du fait de l'activité intense de l'homme sur Terre. Mais, excusez-moi, Madame Dupuis, les écrans défilent pas au fur et à mesure de votre présentation. Ça ne va pas du tout. Ici, vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez là ? Oui, tout à fait. Ok. Ben alors, je ne le mets pas en mode plein écran et du coup, je le mets en mode visionnage comme ça. Désolée. Donc là, je parlais donc de l'émission massive de gaz à effet de serre. Et donc, le constat, c'est de réduire les émissions, c'est possible, mais les supprimer, c'est impossible. Alors aujourd'hui, en fait, on a des solutions. On a, et bien sûr, pas mal de solutions. Et actuellement, en fait, on a une solution de décarbonation de nos énergies. Ça, c'est en fait à travers l'atténuation de nos émissions en trouvant des alternatives d'énergie verte, des alternatives dans l'agriculture ou dans le domaine du transport et de l'industrie. Et en fait, ici, on a une nouvelle approche. C'est ce que l'on appelle les émissions négatives. Et c'est ce que nous rend en fait service nos écosystèmes. Par exemple, vous connaissez, je pense, plus facilement la notion de carbone vert. C'est tout le carbone issu du CO2 atmosphérique qui est capté par nos forêts ou nos tourbières, qui absorbe ce CO2 et qui stocke ce carbone dans les écosystèmes. Donc là, nos forêts sont considérées comme des puits de carbone naturel. Mais dans les faits, on s'est tourné vers les écosystèmes aquatiques, puisqu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une forte capacité de stockage du carbone du littoral et des marais, et donc on les considère comme des puits de carbone, mais maintenant, comme ils viennent du milieu aquatique, on appelle ça le carbone bleu. Donc les exemples en fait d'écosystèmes qui peuvent stocker du carbone, ce sont les mangroves, ce sont les marais salés, les herbiers marins ou tout simplement aussi la colonne d'eau puisqu'elle en fait héberge tout un tas de petits micro-organismes que l'on appelle le phytoplancton. Donc du coup, ces écosystèmes aujourd'hui, on parle effectivement de la séquestration de carbone, donc de carbone bleu, mais je voudrais attirer votre attention que pour ces écosystèmes, ils sont aussi d'autres fonctions tout aussi importantes, c'est-à-dire ils sont connus pour être des remparts naturels contre les tempêtes, mais vulnérables face à l'aléa submersion. Ils sont un régulateur du cycle de l'eau, donc on parle souvent de zones tampons pour les marais. Ce sont des filtres naturels aussi qui partent du bassin versant vers l'océan. Et puis, en fait, aussi, ce sont des milieux qui ont une valeur patrimoniale importante, c'est-à-dire en d'autres termes que nous tenons à ces espaces pour de nombreuses espèces qui y vivent, pour nos activités économiques et leur fort attrait pour les activités culturelles comme le tourisme. Donc si nous revenons en fait à la définition d'un puits de carbone, qu'est-ce qu'un puits de carbone ? C'est de carbone bleu, c'est un écosystème en capacité de capturer, de capter et de séquestrer ou de stocker du carbone à la fois dans la biomasse vivante et dans les sédiments littoraux. Prenons ici cet exemple dans ce schéma, l'exemple des herbiers marins. Les herbiers marins, ce sont des plantes qui vivent en milieu aquatique, soit sur la zone de balancement des marées, soit sur la zone complètement immergée. Eh bien, vous voyez ici que ce processus, c'est un processus de captation du CO2. Donc la végétation, en fait, va capter le CO2 tout simplement par le processus de photosynthèse. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail du processus de photosynthèse, mais juste quand vous avez une plante verte chez vous, eh bien, elle a besoin de lumière pour se développer et donc elle fait de la photosynthèse. Donc et à partir du CO2 atmosphérique, elle va former des molécules organiques comme du sucre. Puis ensuite, donc ça c'est le processus de captation. Puis ensuite, ce carbone, en fait, il peut avoir des devenirs divers et variés et il peut aussi donc arriver à ce qu'il y ait effectivement de la matière organique issue des animaux qui viennent se déposer à la surface du sédiment. Et donc, quand la sédimentation est très forte
et puis que ce carbone organique qui a été généré en amont se trouve recouvert de sédiments, eh bien, on va avoir une zone qui est dite anoxique, c'est-à-dire en fait sans oxygène, où là, il y aura peu de décomposition de la matière organique qui sera recouverte par le sédiment. Et dans ce contexte-là, sur le littoral, le carbone organique est enfoui dans les premiers mètres du sol, il est alors séquestré dans le sédiment. Et c'est ça, en fait, un puits de carbone bleu, à la fois sur sa capacité de captation et de séquestration, stockage du carbone. Alors, quelques chiffres, pas trop de chiffres, hein, mais quelques chiffres. Ici, vous avez le potentiel de stockage des puits de carbone bleu. Donc là, vous avez sur ce graphique en anglais, mais vous voyez ici qu'à chaque fois, je fais référence à des publications scientifiques que vous avez en bas à droite sur cette diapositive. Ici, vous avez le taux de carbone qui a été séquestré, le taux qui a été stocké dans le sédiment ou dans la matière vivante. Vous l'avez en grammes de carbone par mètre carré et par an. Et vous voyez, en fait, là, vous avez les forêts tropicales, les forêts boréales, les forêts tempérées. Et vous voyez que ce taux de stockage de carbone est beaucoup moindre que le taux de stockage des marais salés, des mangroves ou des herbiers. Donc, ce qui veut dire que ces écosystèmes ont un très fort potentiel de séquestration, de stockage de carbone, et donc on peut espérer que ces espaces puissent diminuer les émissions, puissent diminuer les teneurs en CO2 dans l'atmosphère. Alors, ça, c'est une réalité. Ceci étant dit, il faut noter qu'il y a un taux de stockage qui est très variable en zone côtière, de façon à la fois spatiale et temporelle, et il est nécessaire pour faire ce que l'on appelle un bilan carbone, des mesures de terrain qui sont nécessaires à l'échelle de chaque région, à l'échelle de chaque écosystème, donc à l'échelle, je dirais, plutôt locale. Donc, quelques chiffres encore sur différents types d'écosystèmes aquatiques. Vous avez l'océan, le marais doux, le marais salé, l'herbier marin et les vasières. Vous voyez en fait que l'océan séquestre très peu en fait de CO2. Alors ça, c'est des tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Ceci dit, l'étendue océanique est très grande. Donc si on rapportait à la surface pour en faire une quantité, eh bien c'est absolument pas négligeable à l'échelle de la planète. Un marais doux, c'est une tonne de CO2 équivalent par hectare et par an. Les marais salés, les herbiers, c'est à peu près équivalent à 6 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Et vous voyez, les vasières intertidales, ce sont les milieux qui sont à l'interface entre la terre et la mer, que l'on voit aussi sur cette photo, cette diapositive. Et donc là, il y a une très forte variation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on manque de connaissances sur les vasières intertidales pour savoir et pour exprimer le fait que est-ce que ce sont effectivement des puits de carbone ou pas. Donc il y a des zones qui ont, il y a des publications qui disent oui, il y a des publications qui sont un peu plus modérées sur ces chiffres. Alors, vous comprenez qu'il y a des éléments clés pour être un bon puits de carbone. Quels sont ces éléments clés? Eh bien, les éléments clés, ce sont en fait les milieux qui sont plutôt salés, qui sont des milieux en fait de bons puits de carbone. Vous avez compris que quand il y a peu d'oxygène dans les sols, ça veut dire que la décomposition de la matière organique est faible et donc le carbone organique est plutôt stocké dans les sédiments, auquel cas peu d'oxygène dans les sols sont favorables à être un bon puits de carbone. Vous avez vu aussi que si vous avez un apport de sédiments, vous avez une forte sédimentation de la matière, du sédiment et de la matière organique, eh bien ça séquestre d'autant plus vite la matière organique et donc ça crée du carbone bleu. La présence d'eau va favoriser la solubilité du CO2 et évidemment, vous l'avez compris aussi, comme le CO2 rentre par les végétaux, les plantes, évidemment, vont favoriser à la fois la sédimentation et à la fois la captation de CO2 atmosphérique. Tous ces éléments clés, en fait, vont faire que vous avez un écosystème qui est un bon puits de carbone. Alors, où se trouvent ces écosystèmes dits végétalisés côtiers?
Et donc, où ils stockent le carbone et où est-ce qu'on les trouve? Donc, cette diapositive vous montre que le stockage du CO2 sous forme de carbone organique, comme vous l'avez compris, se retrouve à la fois, donc sur le schéma encore, on voit des végétaux, donc dans la biomasse qui est vivante ou morte, vous avez en fait à la surface du carbone organique qui est capté et stocké. Et là, on est à l'échelle de la décennie, parce qu'il y a une sorte de temporalité en fait dans cette question-là. Le sédiment ici, ben, quand le carbone organique est séquestré dans le sol ou dans les sédiments, eh bien, ils peuvent, vous voyez, aller sur des milliers d'années, s'il est non touché ou s'il est très en profondeur. Donc ça, c'est un élément très important. Où est-ce qu'on trouve ces écosystèmes végétalisés côtiers? Eh bien, on les trouve dans les interfaces terre-mer, avec des marais plutôt salés. En milieu tropical, on va avoir les mangroves. Et puis, nous, on a l'équivalent, on va dire, des mangroves dans la zone de balancement des marées, qui sont en fait les herbiers marins que l'on va pouvoir trouver à la fois en zone de balancement des marées et jusqu'à une certaine profondeur dans les écosystèmes. Et puis après, en mer, alors c'est une définition où à peu près les végétaux en fait se situent dans cette zone-là. Vous avez à peu près, sur nos littoraux en tout cas, maximum jusqu'à, les littoraux tempérés, jusqu'à 40 mètres de profondeur. Donc un potentiel, un champ des possibles entre cette interface terre-mer pour stocker et le carbone sous forme de carbone organique. Alors ça, c'est vraiment leur potentialité, hein, c'est vraiment très important. Et finalement, en fait, il y a une fragilité de ces milieux et donc ces écosystèmes côtiers ont de nombreuses fonctions écologiques, comme vous voyez la fonction puits de carbone pour la planète. Mais en fait, vous voyez qu'ils sont aussi localisés sur le littoral et donc ce littoral, en fait, subit énormément ce qu'on appelle l'anthropisation des écosystèmes, c'est-à-dire qu'en fait, les activités humaines sont très importantes, et donc pour des sources à la fois d'alimentation, où on y vit tout simplement, donc on crée des villes, etc. Donc du coup, en fait, on modifie les écosystèmes, et donc on a malheureusement en fait de fortes pressions sur ces écosystèmes. Et aujourd'hui, on compte que 25 à 50% des habitats côtiers au niveau mondial ont disparu en l'espace de 50 ans. Donc, je vais vous donner quelques chiffres pour vous rendre compte en fait, de cette dégradation. Ici, sur le tableau, vous avez trois écosystèmes clés, les mangroves, les herbiers, donc les seagrass, c'est des herbiers marins, les salt marsh, c'est les marais salés. Et vous voyez ici, dans la deuxième colonne, le pourcentage de pertes. Et donc, vous avez à peu près entre 30 à 50% des mangroves qui ont disparu depuis les années 40. Ce qui, en fait, est à peu près d'une perte de 0,7 à 3% en fait, de pertes annuelles de ces écosystèmes. Alors, les mangroves disparaissent principalement par le fait qu'elles sont draguées, drainées. Il y a de l'endiguement. Il y a des espèces invasives qui modifient la biodiversité et qui modifient les fonctions écologiques. Donc, tous ces changements vont créer de la perte de ces écosystèmes. Les herbiers marins, eux, ben, vous voyez qu'ils ont disparu à 50% sur la planète depuis les années 1990 et que, en fait, ces herbiers marins ont un fort... Enfin, pourquoi ils sont dégradés? Ben, soit par les aménagements côtiers, donc c'est-à-dire la fragmentation de leurs habitats, ou par un fort en apport en engrais minéraux comme les nitrates. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces milieux sont fragiles, mais s'ils sont en bon état de fonctionnement, les habitats représentent des puits de carbone. En revanche, le fait de dégrader ces milieux, le fait d'avoir en fait ces impacts importants de l'anthropisation, la conséquence en fait pour le carbone, vous voyez sur ce schéma ici, la conséquence c'est qu'il y a une diminution du potentiel de stockage de carbone, mais en plus vous avez un relargage de carbone qui était stocké dans les sédiments
et qui finalement, par le processus de déstabilisation des sédiments, par le processus de l'exposition du sédiment et donc de la matière organique qu'il contient à l'oxygène, va générer une activité microbienne de tous ces petits microbes qui utilisent la matière organique et qui va finalement respirer. Respirer pour un organisme comme tel, c'est libérer du CO2. Et donc tout le carbone qui était stocké dans les sédiments sont remobilisés, toute cette matière organique est remobilisée et est décomposée. Et donc en fait, au lieu que le milieu soit un puits de carbone, il est une source de carbone. Donc la dégradation, en fait, avec quelques chiffres ici, la dégradation en fait de ces milieux, eh bien, par exemple, l'émission annuelle liée à la perte des habitats côtiers végétalisés, c'est HCV. Et en fait, c'est l'équivalent. Donc, annuellement, vous avez vu qu'on perdait un certain nombre de zones côtières végétalisées. C'est l'équivalent de l'émission annuelle du Royaume-Uni ou du Japon. Ça vous donne une petite idée de l'importance fondamentale de ces écosystèmes pour le stockage de carbone. Et la perte des habitats côtiers végétalisés, c'est moins de 10% par an de la capacité totale du stockage. Donc, il est nécessaire et urgent de conserver des habitats côtiers végétalisés qui sont prioritaires et tous les milieux aquatiques qui vont stocker du carbone. J'espère vous avoir démontré leur potentialité et leur importance de conserver ces milieux par rapport à cet aspect carbone bleu. Alors, pour ne pas rester, bien sûr, sur des notes négatives, sur une note négative, parce que je suis plutôt optimiste, donc il existe des solutions pour maintenir, en fait, et augmenter les capacités de stockage du carbone par les habitats côtiers végétalisés. Alors, vous voyez toutes ces solutions qui s'affichent ici, c'est à la fois limiter l'urbanisation, stopper le drainage des marais, reconnecter les marais aux fleuves, rivières et littoraux pour garder, comme vous voyez sur ce schéma, le continuum entre la terre et la mer. Réduire nos apports de nutriments, donc qui peuvent principalement arriver de l'agriculture, puisqu'en fait les apports de nutriments vont dégrader un certain nombre d'écosystèmes. Bien sûr, vous avez compris aussi que les végétaux captent du CO2 puis après le stockent. Donc, replanter des végétaux adaptés semble aussi être une solution. Tout simplement, globalement, restaurer et protéger les sols et les zones humides. Donc, les zones humides, c'est tout le littoral, le marais, c'est un autre terme que l'on peut utiliser. Remettre en eau certaines zones, ça aussi, ça nous paraît important pour redonner effectivement... La notion de zone tampon, c'est-à-dire avant il y avait l'eau, avant, et donc on draine certains écosystèmes et il faudrait remettre en eau certaines zones. Et tout simplement, je voudrais finir sur ces solutions, c'est entretenir les zones humides du littoral comme l'homme sait et savait le faire. Et donc une meilleure conservation de ces milieux, et je pense que l'homme sait tout à fait le faire. Pour terminer cette présentation, je vais vous donner aussi encore une note positive. C'est l'exemple en fait de la restauration de marais salés qui a été en fait réalisée dans la baie de Fundy au Canada. Et donc en fait, vous voyez ici sur ce petit schéma, même si c'est en anglais, vous voyez ici qu'il y avait une bande qui est une digue qui en fait séparait tout simplement la zone en amont de la zone en aval qui est la même. Et en fait, finalement, il y a eu une brèche en 2010. Et donc, cette brèche, ils ont décidé, c'était très volontaire de leur part. Donc, ce qui était involontaire, c'est la brèche qui s'est ouverte. Enfin, il y a eu une brèche, pardon, dans la digue. Donc, ça veut dire la digue a lâché. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une zone qui a été remise en eau, c'est-à-dire 25 hectares ont été remis en eau. Et donc, du coup, les scientifiques se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passerait du point de vue de la séquestration du carbone? Et donc, cette remise en eau, c'est que dès la première année, vous avez vu que le
La notion de séquestration du carbone, c'est quand même à l'échelle de la décennie, à l'échelle de milliers d'années. Mais finalement, cet exemple est un super espoir, puisque dès la première année, il y a eu une augmentation du taux de séquestration du carbone. Je vous explique en fait le suivi qu'ils ont fait sur les 6 premières années, entre 2010 et 2016, sur ici, vous avez sur ce graphique. Et vous avez le volume du sédiment nouveau qui est arrivé. Donc ici, vous avez deux courbes qui vous montrent le dépôt cumulé de sédiments et en parallèle, le stock de carbone en tonnes qui a été aussi suivi. Et vous voyez qu'il y a un très beau lien entre le dépôt de sédiments et le stockage de carbone. Ce qui veut dire qu'en fait, en 6 ans, il y a eu la séquestration pour une surface équivalente, ça donne un petit chiffre, de 35 terrains de football, c'est à peu près 25 hectares. Il y a eu en fait séquestration de l'équivalent d'émissions annuelles de 2000 voitures. Peut-être que ça ne vous semble pas beaucoup, mais en l'espace de 6 ans, c'est un bel espoir, puisque je vous rappelle bien que la séquestration du carbone, c'est vraiment quelque chose à long terme. Donc tout ça n'est pas vraiment perdu, puisqu'il existe des solutions et il y a des exemples de restauration et de volonté aussi politique de ne pas avoir fermé cette digue et d'avoir regardé ce qui se passait en termes de séquestration. Donc, de carbone. Donc c'est un vrai outil important à mettre en place sur nos territoires. Donc voilà l'explication du carbone bleu. Alors enfin Christine vous a dit aussi qu'il y avait une expo carbone bleu. Et donc qu'est-ce que vous avez dans cette exposition? C'est vous allez pouvoir découvrir la notion de carbone bleu et la diversité d'écosystèmes et leurs fonctions associées. Mais au travers de ce carbone bleu, l'exposition va vous permettre de découvrir l'histoire des marais, les êtres vivants sur la vasière, les sons du littoral, il y a des petites bandes son d'oiseaux, et puis bien d'autres choses, en espérant que vous pourriez aller voir cette exposition carbone bleu. Ici, sur cette diapositive, c'est l'exemple, vous avez des maquettes, vous avez des petits sons d'oiseaux, et puis vous avez des grands panneaux qui vous expliquent l'importance du carbone bleu, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de panneaux qui vous expliquent. Et pour finir, en fait, je voudrais aussi vous expliquer un exemple d'initiative qui est mise en place sur l'agglomération de La Rochelle, que vous pourrez aussi découvrir dans l'exposition. C'est le projet, alors LRTZC, c'est La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui en fait a pour ambition la neutralité carbone en 2040. La neutralité carbone en 2040, c'est l'équilibre entre finalement les émissions de CO2 et le stockage du CO2 atmosphérique par les puits de carbone. Et donc, dans ce projet, on travaille à la fois sur la mobilité, sur l'écologie industrielle, sur le bâtiment. Il y a aussi un axe dit carbone bleu qui a pour ambition de s'appuyer sur notre écosystème littoral et marais et ses composantes, donc la biodiversité en l'occurrence, pour maximiser la séquestration du carbone sur l'agglomération de La Rochelle. Donc, c'est un projet qui a été financé par un appel d'offres que la CDA de La Rochelle a remporté. Et donc, justement, les émissions négatives de nos littorales et nos marais vont pouvoir, on l'espère, au moins diminuer un petit peu les émissions, les teneurs en CO2, pardon, dans l'atmosphère. Bien sûr, il faudra réduire aussi nos émissions. C'est pour ça qu'il y a d'autres leviers d'action qui sont dans ce projet. Ici, un exemple de site d'expérimentation, c'est le marais de Tadon. Donc, c'est un marais périurbain et qui est actuellement en renaturation. Et donc, il y a eu énormément de travaux aussi pour favoriser telle ou telle fonction écologique. Et donc, du coup, ça, c'est un champ d'expérimentation pour nous. Voilà, je tiens à remercier en fait tous nos partenaires. Hein, vous en avez un certain nombre, vous avez tous les logos en bas de cette diapositive. Aujourd'hui, cette exposition Carbone Bleu a été financée par le contrat de plan État-Région, pardon, Nouvelle-Aquitaine sur un projet qui s'appelle Econat, sur un axe biodiversité.
et c'était la gestion durable des écosystèmes et des sources naturelles, donc financée par l'Union européenne et la Nouvelle-Aquitaine. Et donc ici, sur cette diapositive, vous avez le site de l'exposition carbone bleu. Et cette exposition est itinérante. Je vous remercie de votre attention. Merci Christine Dupuis. Et puis, je ne sais pas si Julien, est-ce que tu as des questions ? Oui, bonsoir. Effectivement, j'en ai une. L'élévation du niveau des océans peut-elle influer sur la production de carbone bleu ? Alors, l'élévation du niveau de la mer va faire qu'en fait, on aura en fait un milieu qui va, enfin le milieu salé qui va s'étendre. Et l'hypothèse serait de dire que un milieu salé, comme vous l'avez vu, est un fort potentiel de séquestration carbone. Donc, l'élévation du niveau de la mer va tendre vers une meilleure séquestration du carbone. Ceci étant dit, ça n'est qu'une hypothèse. D'accord, merci beaucoup. Et pour le moment, c'est la seule question. Donc, c'était une question de l'Université populaire du Niortais. Et pour l'instant, nous n'en avons pas d'autres. Alors peut-être Christine, vous avez des questions Oui, pour madame. Je veux bien. Je voulais savoir si l'expérience du projet Territoire zéro carbone mené à La Rochelle, s'il y a eu d'autres choses, expériences, je ne sais pas, en Bretagne ou dans d'autres villes au niveau national ou même mondial. Alors, l'important ici, c'était quand on a déposé ce projet à l'État, c'était qu'on était, si on a gagné, si on a été lauréat, c'est que en fait, il y avait toute une originalité dans notre projet. Et surtout, c'est qu'il y avait possibilité de réplication vers d'autres territoires. Donc, le but, l'ambition aussi de ce projet, c'est de transposer la manière dont on travaille actuellement sur La Rochelle territoire zéro carbone vers d'autres territoires. Parce que le but du jeu, c'est ne pas se cantonner à notre territoire de l'agglomération de La Rochelle. Donc, à ma connaissance, en fait, il y a effectivement des actions aussi carbone bleu. Alors, je ne pourrais pas les citer. Mais ce qui n'existe pas, parce que c'est pour ça qu'on a été lauréat, c'est d'aborder toutes les facettes du CO2, c'est-à-dire le carbone bleu, l'efficacité bâtie, l'autoconsommation, la mobilité, l'écologie industrielle, la gouvernance, la création en fait d'une coopérative carbone, et tout ça dans un contexte avec un axe très fort, c'est participation citoyenne, c'est-à-dire ici que on estime que s'il n'y a pas un engagement du citoyen, quel qu'il soit, un acteur, un gestionnaire, un habitant de la ville, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'il va falloir changer des pratiques. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont aussi été lauréats de cet appel d'offres et qui ont travaillé que sur le bâtiment ou travaillé que sur la mobilité. Mais l'originalité du projet de La Rochelle, c'est dans son intégralité et l'objectif étant de le transposer dans d'autres zones géographiques, bien sûr. D'accord, c'est très intéressant. Et ça a débuté quand là donc jusqu'à quelle période ça va durer? Alors là, ça a débuté avec la crise du Covid, on a un peu, retardé les choses, mais en fait. Ça a commencé fin 2019, 2020, ça a commencé à s'engager. On a eu la crise Covid, mais il y a des actions qui ont déjà bien commencé, la mobilité douce, par exemple, pour ne donner qu'un seul exemple. Et en fait, c'est un projet sur 8 ans. Donc, on a la chance aussi que ce projet soit assez long. Donc, le temps d'acquérir les données, parce que pour l'axe carbone bleu, par exemple, eh bien, nous, le premier préalable que l'on va faire, c'est le bilan carbone des écosystèmes, en fait, littoraux et marais, sur l'agglomération de La Rochelle. Ça, c'est notre premier prérequis, puisque vous avez, donc je n'ai pas pu vous le montrer ici, mais ce qui est important, en fait, c'est que la notion de puits de carbone bleu est variable à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc, il faut qu'on aille chercher toutes les typologies, tous les différents types d'écosystèmes
pour pouvoir en faire un bilan carbone complet, pour dire cet écosystème-là, il est puits ou source de carbone. Alors j'ai Donc. une. À moins que Christine, tu aies une Non, autre vas-y, question. vas-y. Très bien. Alors j'ai une autre question d'internet. Non, pardon. Des projets de dépoldérisation à moyen terme peuvent-ils être envisagés à la fois pour favoriser le carbone bleu? Tout à fait. Alors, des projets peuvent être envisagés. Du point de vue du scientifique, la dépoldérisation serait un processus très intéressant. Du point de vue des décisions politiques qui ne relèvent pas du scientifique, ça me paraît un peu plus compliqué. À savoir, effectivement, il y a des usages sur ces zones-là et on ne peut pas négliger le fait que même si tu as un fort potentiel de séquestration carbone, il y ait des enjeux humains qui, en fait, dépasse le scientifique, mais qui concerne le politique. Très Mais bien. c'est une voie très intéressante, bien sûr. J'ai une autre question. Enfin, je vais vous lire le commentaire en entier. Bonjour, je me demandais si le rôle des marais et littoraux sur le carbone bleu joue un rôle important dans le choix de les protéger, entre parenthèses, par rapport, par exemple, à des questions de biodiversité. Alors, si j'ai bien compris la question, la notion de, et vous me direz si j'ai pas tout à fait compris la question, mais ce que j'ai expliqué, c'est que là, j'ai focalisé sur le prisme de la séquestration carbone, donc le carbone bleu. Il n'empêche que ces écosystèmes ont des fonctions écologiques tout à fait importantes et qui sont en fait effectivement des habitats pour la biodiversité. Ils ont aussi un rempart naturel pour les submersions marines, etc. Donc en fait, il faut, si je réponds bien à la question, si j'ai bien compris la question, en fait, s'intéresser à la séquestration carbone, c'est aussi s'intéresser à la biodiversité, parce que ce que fait les processus de séquestration du carbone, c'est à la fois des processus physiques, des processus chimiques et des processus biologiques. Donc la biodiversité, bien sûr, rentre en ligne de compte dans ces milieux-là. Donc ça veut dire que travailler sur le carbone bleu, c'est aussi travailler sur d'autres fonctions écologiques des milieux et c'est aussi préserver ces milieux pour qu'ils fonctionnent bien et pour qu'ils séquestrent du carbone. Est-ce que j'ai bien répondu à la question qui était celle-ci? Alors, bah, on va attendre que la personne Voilà, réponde, mais en parfait. attendant, j'en ai une autre. De nouveau de l'Université populaire du Niortais. Quid du marais Poitevin dans ses différents états, mouillé, sec, etc. Alors, ben, il est. Alors, nous, ça, effectivement, ça dépasse l'agglomération de La Rochelle, donc on est à la limite, limite. Donc, on va pas aller travailler sur le marais Poitevin, mais il serait vraiment tout à fait intéressant d'y travailler, puisque il y a quand même dans ces marais doux, vous avez compris que les meilleurs candidats, c'est marais salé, herbier et potentiellement les vasières intertidales. Et en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que certains marais doux, en fait, émettent du méthane. C'est ce qu'on appelle les feux follets, hein, par exemple, dans les marais. Et donc, du coup, là, c'est des sources de CO2 plutôt que des puits de carbone. Il n'empêche que, comme je disais, ce CO2, en fait, qui est intégré dans à la fois la colonne d'eau et puis dans le sédiment, mais surtout dans le sédiment. Ici, cette captation et cette séquestration varient en fonction du temps. Alors ça veut dire, je vous ai parlé de décennies ou de milliers d'années, mais en fait, elle varie aussi en fonction de la saison. Donc il y a des moments où ça va être un puits, des moments où ça va être une source. Donc il serait tout à fait intéressant que dans le marais Poitevin, il y ait des mesures qui soient effectuées pour pouvoir voir si globalement sur l'année, c'est plutôt un puits ou c'est plutôt une source. Bien, merci. Alors du coup, sur la question précédente, visiblement, vous aviez bien compris la question et donc la personne vous remercie pour votre réponse. Christine, est-ce que tu as d'autres questions éventuellement? Cela, pour l'instant, on a fait le tour de celles posées dans le chat. D'accord. Depuis combien d'années donc on a ces connaissances sur la capacité des zones humides à capter le carbone? Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de carbone bleu. Voilà. Alors en fait, oui, c'est une notion, on va dire,
En fait, qui est nouvelle dans la tête des gens, mais qui est pas du tout nouvelle, en fait, quand on étudie le fonctionnement des écosystèmes. Mais en fait, donc en fait, je saurais pas dire exactement depuis combien de temps, mais peut-être que j'ai. Alors, mes collègues australiens, en fait, sont vraiment. Ont fait des avancées importantes, en fait, dans ce milieu-là. Je dirais que depuis une quinzaine, vingtaine d'années maximum, grand maximum, on voit cette potentialité. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et moi, je suis ravie aussi de pouvoir faire une conférence et diffuser avec cette exposition, parce qu'on connaît très bien le carbone vert, mais on connaît vraiment peu le carbone bleu, alors que ce sont les écosystèmes qui ont le meilleur potentiel de captation et de séquestration. Donc je dirais c'est entre une si je peut-être je me trompe, mais c'est 15-20 ans au moins que les scientifiques ont commencé à donner cette information sur le carbone bleu. Et au niveau bah alors là pour le coup au niveau des citoyens bah là c'est hyper récent. C'est hyper. Bon, mais donc, on est utile, d'où l'utilité de faire cette conférence. Je vous remercie. Tout à fait. Julien, une autre question, on va privilégier l'Internet. Eh bien, pour l'instant, non, non, non. Non. Moi, j'ai encore une question. Après la tempête Xynthia, il y a eu des travaux d'aménagement de notre côte. Et je voulais savoir, en dehors des digues, justement, mais par rapport à ces zones humides, est-ce que ça a été pris en considération ou voilà, est-ce qu'il y a des replantations, des choses comme ça qui ont été faites? Alors actuellement, on a un collègue de mon laboratoire qui travaille en fait sur justement la protection des côtes et le trait de côte. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui s'est passé après Xynthia, c'était qu'il fallait protéger à tout prix la population. Et donc la meilleure des solutions qui a été choisie, mais en fait, je dirais à court terme, lui pourra mieux le dire que moi, mais je vais quand même transcrire ce qu'il m'a dit, c'est que en fait les digues c'est une solution, on va dire à court terme, parce que si on a à la fois l'élévation du niveau de la mer et à la fois en fait des événements extrêmes qui s'accumulent, à un moment on ne pourra pas monter les digues à des mètres et des mètres et des mètres, ça, à un moment va falloir que ça s'arrête. Donc en fait mon collègue donc Xavier Bertin il travaille en fait sur la protection douce du littoral, à savoir qu'il utilise en fait aussi les herbiers marins ou les herbiers par exemple à Aubionne que vous connaissez ou toutes ces plantes en fait en haut des vasières intertidales qui en fait vont casser les vagues et qui en fait sont des zones qui captent du CO2, sont des zones de sédimentation. Du sédiment et de la matière organique. Et donc, il y a double intérêt, en fait, à utiliser ce qu'on appelle de la protection douce pour pouvoir faire face eh bien, à des tempêtes ou à l'élévation du niveau de la mer. Mais après, ben, je dirais que c'est à la fois, en fait, nous, on fait des recherches pour donner des outils d'aide à la décision vers les collectivités territoriales. L'avantage avec ce projet, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, il y a un volet, effectivement, protection des côtes. Et en fait, après, bien, les collectivités territoriales ben, décident, et c'est pas aux scientifiques de décider des aménagements du littoral. Alors, j'ai une autre question. Je vous lis le commentaire. Je me permets de rebondir sur la question précédente. Vous parlez de perception assez récente. Est-ce aussi le cas des acteurs publics responsables de l'aménagement? Oui, tout à fait. Au début du projet, c'était vraiment intéressant quand on a monté le projet. Alors, il y a assez longtemps pour La Rochelle Territoire Zéro Carbone, ça date peut-être de. Le temps passe vite, alors peut-être 2016 ou 2017. Et en fait, j'ai présenté de nombreuses fois aux collectivités territoriales ce que je vous ai présenté là. Alors, peut-être pas aussi.
peut-être pas aussi complet que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je leur ai expliqué ce que c'était que la notion de carbone bleu. Et en fait, ils se sont très fortement approprié ceci, parce que l'intérêt, en fait, comme vous l'avez vu, c'est le seul levier dans La Rochelle territoire zéro carbone pour les émissions négatives. On est capable, en fait, d'avoir des émissions négatives, ce qui ne sera jamais le cas sur la mobilité douce ou sur l'écologie industrielle. Ça c'est tout à fait normal. Donc ça veut dire qu'en fait les collectivités territoriales ont absolument tout compris, mais au début c'était pas aussi facile que ça. Enfin pas facile. Si, ça a été facile, mais ça n'était pas connu en fait du politique. Bien, merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a Pas de plus de question. questions dans l'espace commentaire. Donc, Christine, si t'en as, vas-y. Mais en tant que citoyen, comment on peut agir justement? Est-ce qu'on peut s'associer à des opérations ou voilà, comment pour l'activité territoire zéro carbone? Alors, dans le cadre de l'axe participation citoyenne, il y a un comité citoyen qui est créé. Donc, l'ambition, alors je ne vais pas parler à la place de mes collègues sur les axes, mais ce dont j'ai connaissance, c'est qu'ils ont fait un comité citoyen et donc ils ont fait une appel à candidature, on va dire, pour faire ce comité citoyen, pour que ces gens-là soient le relais d'information de tout ce qui se passe dans La Rochelle, territoire zéro carbone. Et aussi, je pense qu'il y a un aspect, je dis je pense parce que je ne peux pas garantir cet aspect-là, mais du coup, de donner des directions aussi d'action qui pourraient être faites sur le bâti, pourraient être faites sur la mobilité. Alors, qu'est-ce que peut faire le citoyen en dehors de ce comité citoyen? Ben, il peut tout simplement prendre conscience que eh bien, réduire ses émissions par la mobilité, c'est peut-être important. Faire attention à sa consommation d'énergie, même si elle est nucléaire principalement, on peut faire des choses. Le bâtiment, eh bien, il existe du recyclage des matériaux au niveau des recyclages au niveau localement, on va dire. Et donc, du coup, pouvoir savoir l'origine de nos matériaux, si on veut construire une maison, etc. Enfin, il y a plein d'actions qui sont possibles. Et au niveau de la préservation du littoral et des marais, eh bien, effectivement, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais à savoir déjà respecter l'environnement, s'apercevoir que finalement, même un marais périurbain comme celui de Tadon, eh bien, on peut le regarder par sa beauté, y a des tas d'espèces en fait très emblématiques sur ce marais, c'est assez intéressant. Et puis, on peut s'approprier le fait qu'il y a un potentiel qui va nous permettre de réduire les teneurs en CO2 dans l'atmosphère grâce à ce qui nous entoure. Et donc, je pense que la sensibilisation et le respect de ces zones et de cette biodiversité. Merci. Julien. Eh ben non, écoutez, plus de nouvelles questions dans le chat. D'accord. Bah écoutez, j'ai plus d'autres questions non plus. Donc, un grand merci. Et puis, merci aux internautes de vous avoir écoutés. Et bah, à une prochaine fois, en espérant que la situation va s'améliorer, qu'on pourra ouvrir donc l'exposition pour faire découvrir au public Poitevin. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous.